capture d'écran Dorothée Barba. Life is like a chocolate box. Il y a du Forrest Gump à la télé ce soir. Oui, sur TMC. Alors désolé pour le coup de vieux, hein, mais Forrest Gump, oh, c'était au cinéma en 1994. Ça fait 24 ans. Court, Forrest, on court. L'a déjà vu 10 fois, évidemment, mais j'ai déjà eu l'occasion de dire ici combien il est précieux de revoir certains films, notamment pour constater qu'on a soi-même changé depuis la dernière fois. Oui, oui. On ne sourit plus aux mêmes scènes, tel passage qui nous laissait de marbre va soudain nous émouvoir. Il faut revoir ce film donc pour prendre des nouvelles de soi-même, pour le plaisir de l'attente aussi, car non, vous ne vous souvenez pas de tout le film. Il faut attendre les scènes qui sont restées gravées dans votre mémoire pour savourer la nostalgie. Court, Forrest, court, évidemment. Alors ce qui ne gâche rien, c'est la BO exceptionnelle de ce film. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around us. Les Beach Boys, évidemment. Yes. Mais aussi The Mamas and the Papas, les Doors, Simon & Garfunkel, les Doobie Brothers et j'en passe beaucoup. La musique de Forrest Gump est tout simplement en or massif. Alors saviez-vous qu'il y avait une suite ? Eh bien non. Forrest Gump, avant d'être un film de Zemeckis, était un roman de Winston Groom. Et cet auteur a écrit une suite, Gump et compagnie, qui a été traduit en français et publié aux éditions du Cherche Midi. Dans ce deuxième volet, Forrest Gump élève seul son fils. Et le principe est toujours le même. Hein. Le personnage traverse son époque et participe involontairement à l'histoire avec un grand H et notamment à la chute du mur de Berlin. Forcément, et il continue toujours à courir, courir, courir. Pourquoi court-il d'ailleurs ? Pour la paix dans le monde, pour l'environnement ? Forrest ne le sait pas lui-même. La scène évidemment du film est fascinante, hein. Il court sans jamais s'arrêter. Les gens se mettent à le rejoindre, chacun pour une raison différente. Magnifique hommage à cette quête de sens qui colle à la peau de l'espèce humaine. Alors évidemment, le film est aussi un peu guimauve, un peu dégoulinant de bons sentiments, mais c'est aussi une ode à la différence. Et c'est très drôle, presque existentiel également à certains égards. Forrest ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe autour de lui. La guerre du Vietnam, le Watergate, le rock. À l'absurdité de la vie, il répond par un grand sourire et il vous tend une boîte de chocolat. Il est trop bon, trop con, ce Forrest Gump. Eh bien non, il est la preuve des super-pouvoirs de la bienveillance, à mon avis. Et puis vous savez quoi ? Vous allez vous moquer, mais je me lance quand même. Forrest Gump, à mon avis, il incarne la sagesse stoïcienne. L'un des fondements de la pensée stoïcienne, c'est d'apprendre à distinguer ce qui dépend de moi, de ce qui ne dépend pas de moi. C'est très important pour ne pas se sentir débordé dans la vie quotidienne. Cette chose qui m'affecte tant, est-ce que je peux y faire quelque chose ? Ces événements dépendent-ils de moi ou pas ? Eh bien, Forrest Gump, il se laisse parfois porter par le courant. Il ne maîtrise pas tout, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une vie bien remplie et d'être heureux. Ce garçon dont tout le monde moque la bêtise a peut-être bien lu le manuel d'Épictète. Et Forrest Gump de Robert Zemeckis, c'est à 21h ce soir sur TMC. Dorothée Barba, on vous retrouve tout à l'heure dans l'Instant M au programme. On va parler de la presse américaine qui va plutôt pas mal. Est-ce que ce serait un résultat de la guerre que livre Donald Trump aux médias ? Et ce sera à 9h40 Exactement. Sur France Inter.